À Chamalières, le 8 avril 1974, M. Valéry Giscard d'Estaing a déclaré « Je suis candidat à la présidence de la République française ». J'ai jamais commis la moindre indiscrétion sur les travaux du Conseil des ministres. Ce n'est pas au moment où je suis candidat que je commençais à le faire. Au revoir. Sortez souriant, en tout cas. Donc ça s'est bien passé. Merci. Vous soulevez la prise. C'est une absurdité. C'est une absurdité et ce n'est pas conforme à l'intérêt de la France. Bon, d'abord, c'est une absurdité parce que si nous avions à l'heure actuelle un système de parité fixe, la France aurait perdu en quelques semaines la totalité de ses réserves extérieures. Quelle part effective pensez-vous accorder à la jeunesse de la construction européenne? Mais la jeunesse est beaucoup plus de 1%, heureusement. Je ne vous fais pas de promesses. Je veux passer avec vous un contrat de progrès. J'attends de vous confiance. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je vous parle pour la première fois comme candidat à la présidence de la République. Je me suis déjà adressé à vous, vous en souvenez, pour vous commenter la situation économique de la France lorsque j'avais la responsabilité de l'économie et que je travaillais aux côtés du président Georges Pompidou. Sécurité devant les épreuves de la vie, et notamment la maladie, nous devons accroître et garantir la sécurité des Français. Je vous parlerai de l'ensemble de ces questions au cours de mes prochaines émissions, et je consacrerai mon émission la plus importante au problème de la vie quotidienne des Français. Enfin, pour la politique française, le changement sans le risque. Il faut m'aider. Je n'ai pas la prétention, et je n'ai même pas le désir, de gagner seul ou de gouverner seul. J'ai le désir de gagner et de gouverner avec l'appui, avec le soutien, avec la confiance des Françaises et des Français. C'est pourquoi il faut m'aider. Madame, mademoiselle, monsieur, je compte sur vous pour que, le jour venu,
vous puissiez compter sur moi. Sera celle qui aura connu la plus large audience populaire. Je vous l'ai dit, c'est une élection personnelle et c'est une élection populaire. Alors, je ne suis pas du tout parti de l'idée qu'il fallait bâtir un programme compliqué dans lequel on traitait tous les sujets, dans toutes les hypothèses. Je suis parti de l'idée que les Français se prêtent une certaine opinion de vous et qu'il fallait leur donner les moyens de se faire cette opinion. Alors, je leur donne ces moyens au travers de la télévision, mais je crois que c'est très important de se donner les moyens au travers de la rencontre. Et ce que je préfère, c'est la rencontre. Désagréable ce matin dans le Figaro. Ah bon ? De mitois sur la politique de la défense nationale, qui consiste à dire il y en a un seul du côté, il y a un seul candidat qui soit clair là-dessus, c'est évident, la position de M. Chaban-Delmas sur l'indépendance nationale et sur la défense, le rôle de la défense pour l'indépendance nationale, bah, tout le monde la connaît, c'est la position gaulliste pure et dure, il n'y a aucune ambiguïté. Les ambiguïtés sont du côté de M. Giscard d'Estaing et de M. Mitterrand. Alors il vous reproche d'abord en disant du politique, d'avoir pas parler du problème de la défense, il vous reproche d'avoir chipoté les budgets militaires du temps où M. Debré était ministre de la Défense nationale, et il dit que la seule phrase que vous ayez prononcée, c'est celle de Strasbourg, mais que, vous, étant donné que vous êtes allié avec M. Le Canuet et le général Stellin, qui a fait des déclarations dans un sens opposé à la politique gaulliste, ou bien vous trompez vos alliés, ou bien vous trompez vos électeurs. C'est un agent de Debré, je crois. Enfin, j'en parlerai, vous avez dit à la presse que j'en parlerai ce soir. Ah, mais... oui, c'est ça. Je vous signale deux demandes pressantes. Oui. C'est Europe numéro 1 qui attend votre décision pour quelle tournée le dernier jour de la campagne de vendredi. Et d'autre part, Le Monde qui voudrait être sûr que vous les recevrez bien dimanche pour leur interview. Vous avez dit ça ? Vous avez dit que la première vue, vous étiez d'accord. Bon, en fait, dimanche, si vous voulez, alors on m'annule. Dimanche, je peux mettre... Pas vers 5, on peut c'est ça, oui. Alors, j'ai RTL le soir. Non ? Oui, vous avez le grand jury le soir. Oui. C'est ça. Ça a déjà eu lieu avec d'autres ou pas ? Oui, ça a eu lieu avec Mitterrand avant-hier soir. Ça a été intéressant ou pas ? Absolument pas à juger l'autre politique. Honnêtement, j'ai passé des concours, par exemple le concours d'école polytechnique. Quand je passe un concours, je prépare ma copie moi-même. Et je ne m'occupe pas de la copie du voisin. Interrogez-moi sur ma copie, ne m'interrogez pas sur la copie du voisin.